commune de Mouchamp, déjà classée centre ancien protégé, ambitionne de décrocher le label Petite Cité de Caractère. L'année 2012 est en quelque sorte l'année des grands travaux et on a tout mis en œuvre pour réussir. Fin janvier, le conseil municipal signait une convention de partenariat avec La Poste pour l'ouverture d'une agence postale communale dans les anciens locaux de La Poste et la création d'un point information touristique avec borne interactive dans l'ancienne salle de tri. Au début, donc, il y avait donc, La Poste et un coin tri. Dans la démarche pour les petites cités de caractère, il nous fallait un point i. Donc l'idée de transformer donc, cette partie de La Poste donc, en point i. Quoi. Et ça fait à peu près 2 mois que c'est commencé et là on est en phase terminale. Normalement on doit avoir fini pour le 15 décembre. Et il y a une personne qui va s'occuper de La Poste et du point i. Hein, lorsque le point i sera ouvert bien sûr. Et quand la poste sera fermée, elle s'occupera du point i et elle fera les deux en même temps. Quand les deux seront ouverts, quoi, hein, parce qu'elle a vu sur le point i également. Hein. À Mouchamp, dans le cadre labellisation Petite Cité de Caractère, Mouchamp bénéficie de subventions de la région à hauteur de 30%. Après l'effacement des réseaux aériens, électriques, téléphoniques et l'assainissement, on s'est attaqué cette année à la réfection de la voirie, rue de la Poterne, de l'église et du Vieux Château. Aujourd'hui, on est en train de réaliser donc la voirie définitive. Donc on a souhaité recréer dans ces ruelles des pavages en caniveau central du schiste qu'on a un peu par chez nous pour capter le pluvial sur ces petites ruelles. Nous, on voulait justement utiliser cette matière première que l'on a dans nos carrières, qui est le schiste, qui a servi à construire toutes ces vieilles maisons que l'on voit derrière moi. Donc on retrouvait l'âme aussi en surface de ces ruelles avec un produit naturel de notre pays de Mouchamp. Et après, refaire des surfaces avec un gravillon aussi qui donne un peu les couleurs de cette pierre qui soit à la fois un peu grise et un peu ocre. Quand on a une façade qui est jolie, une belle ruelle, c'est aussi faire partager. Comme on dit souvent, une façade, quand on habite à côté de l'espace public, ne nous appartient pas complètement. On a aussi ce devoir d'avoir une harmonisation envers un environnement qui s'embellit de jour en jour. Mouchamp possède bien des attraits. Cette petite commune de caractère a depuis plusieurs années semé ici et là pour récolter sa première fleur. On est dans le cadre du programme LEADER, dont le programme de reconquête de la qualité de l'eau, et dans le cadre d'un agenda 21, donc tout un programme d'action avec la communauté de communes du Pays des Herbiers, pour préparer le 21e siècle, des actions d'ordre environnemental. Et on a décidé de vraiment faire des efforts au niveau espace vert, que ce soit pour la diminution des pesticides, que ce soit pour la valorisation de nos espaces naturels, ou que ce soit dans un fleurissement et une valorisation et une implantation de nouveaux espaces verts partout sur Mouchamp. Pour cueillir cette précieuse récompense, un contrat paysage rural a été mis en place. Il a permis la plantation de 17 km de haies bocagères. Oui, un peu tous les ans, on en plante. Ici, là, il y a une haie de 450 mètres. C'est une zone où il n'y a pas du tout d'arbres. L'idée, c'est de redonner quand même à ce paysage les qualités de ce que pouvaient être les haies. C'est-à-dire créer des corridors écologiques, c'est-à-dire empêcher l'érosion des sols, empêcher les lessivages. Voilà, la haie, elle a une vraie fonctionnalité et c'est faire que cette haie, elle retrouve sa place comme un élément important du système d'exploitation des terres.
commune a aussi mené un plan d'acquisition foncière afin de préserver ses alentours. Si vous rêvez de vacances au vert, de dépaysement total, voici un bel endroit à adopter, le hameau du Petit Lait. Donc le camping existe depuis 78 pour la partie camping caravaning. Donc on a 24 emplacements nus. Et ensuite on a 15 chalets donc, en bois qui sont bien intégrés dans le paysage. Les estivants qui viennent justement sur Mouchan sont en quête de calme et de repos. Donc c'est vrai que Mouchan s'apprête bien justement à ce type de vacances par rapport au cadre reposant qu'on propose et puis la verdure aussi. Et les gens aussi recherchent justement la découverte des produits du terroir et c'est ce qu'on essaie justement de leur proposer sur la commune. Le camping du Petit Lait, camping 3 étoiles, possède le label Clé Verte et les chalets sont disponibles toute l'année. Côté animation, Mouchan préserve ses traditions. En juin, c'est la fête de la musique. La 18e édition a mêlé musique, chant, danse, tout le monde participe. Ainsi que l'association artistique et culturelle de Mouchan, Caravan Art. C'est le temps fort de l'année, la fête de la musique. On a un soutien logistique et financier avec la mairie. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est la programmation de la soirée. Une journée entière pour un marché au village dans le centre-bourg de Mouchan. Une manifestation qui se marie fort bien avec le concours de peinture intitulé « Peindre Mouchan ». Cette année, 32 peintres étaient présents. Je pense qu'il y a des gens qui viennent pour ce concours de peinture, oui, qui viendraient peut-être pas autrement. Ça attire du monde. En août, événement musical exceptionnel, le Festival des Nuits Musicales en Vendée Romane, organisé par l'Association des Petites Cités de Caractère, est passé pour la première fois dans l'église de Mouchan. Les passionnés ont apprécié le concert du chœur orthodoxe russe Kenevets de Saint-Pétersbourg. L'agriculture biologique, une nouvelle façon de voir l'agriculture et de préserver Dame Nature. On a une pression au niveau des maladies qui est beaucoup plus faible. On a besoin de beaucoup moins de bâtiments d'exploitation. C'est aussi prendre en compte l'assainissement et les différentes techniques existantes. Mais l'été, quand il y a très très peu d'eau,
le peu de pollution qu'on envoie, là, ça a des impacts conséquents. Donc la recirculation, ça permet d'avoir des roseaux verts toute l'année et d'avoir justement une eau de qualité exceptionnelle. Tout cela a été expliqué et commenté par des spécialistes et vérifié sur place par des mouches en paix curieux et attentifs à la préservation de la planète Terre. De belles animations ont lieu aussi tout au long de l'année à Mouchon avec le service Enfance-Jeunesse qui s'active pour développer l'autonomie des enfants et des jeunes de 3 à 17 ans. Leur apprendre à devenir citoyens et à participer à la vie de la commune. Exemple avec le livret jeunesse éco-citoyen. Ça permet aux jeunes qui ont participé donc à des actions de mutualiser des points sur un livret virtuel puisque c'est sur le site internet mouchonenfancejeunesse.com. Et donc, ils vont gagner des points pour ensuite s'offrir des loisirs. Éco-citoyenneté, c'est parce qu'on a gardé une possibilité pour que les élus fassent des propositions aux jeunes. Par exemple, nettoyer un espace et qu'en échange d'une action citoyenne, ils puissent aussi se voir offrir des points. Petits et grands sont invités toute l'année à découvrir le large panel d'activités que proposent les différentes associations artistiques et sportives. Et puis, il y a un point non négligeable à développer, la rencontre intergénérationnelle avec la MARPA par exemple. Un vrai bonheur de réunir jeunes et moins jeunes. Eh bien, on a joué au loto avec les petits de la garderie. Ben, on a passé une bonne soirée, on s'est bien amusé. On aimerait bien que ça se repasse plus souvent. Des jeunes qui sont très actifs au sein de la commune. Exemple, lors du Téléthon, l'opération Croissant Brioche. Et des très jeunes qui ont apprécié Une lune entre deux maisons, le spectacle de la compagnie Zanny Cornetto, un spectacle gratuit proposé et offert par la communauté de communes. Oui. 2012 a fait de Mouchon un lieu encore plus attractif et incontournable dans le paysage vendéen. Mais Mouchon, cité de caractère, n'a pas dit son dernier mot. Et de nombreux projets sont inscrits à l'agenda 2013.